lecture des coiffeurs et de quelques clients. Oh, moi, je l'ai pas tellement. Non, non. Si, Astérix, comme tout le monde. Mais... Oh, mais extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup Troya. Ah, ben voilà une bonne réponse. Et madame, vous lisez quoi? Moi, je lis un peu tout. Madame Boisson, elle lit beaucoup, beaucoup. Oh, beaucoup Zola. Ah, Zola. Pourquoi Zola, par exemple? Oh, La Semoire. La Semoire, oui. La Joie de Vivre. On n'a pas le temps de lire. Et quand vous êtes chez le coiffeur, vous ne lisez pas? Non, voyez, non, je me repose chez le coiffeur. Là, je me suis lancée dans Zola. Dans Zola, il est là, votre Zola, montrez-le-moi, votre Zola. Oui, La Joie de Vivre. Ah. Très bien. Oui. Pourquoi vous avez choisi La Joie de Vivre? Ben, je crois que La Joie de Vivre, ça explique beaucoup de choses. Et comme j'ai beaucoup envie de vivre également, je ne sais pas si je vais trouver ce que je veux là-dedans. Je n'ai pas le temps de lire. Vous n'avez pas le temps de lire? Très peu. J'ai un tas de bouquins chez moi que je n'ai pas le temps de lire. Vous aimez les auteurs russes? Oui, beaucoup. Leurs livres sont très tristes, mais ça me plaît. Qu'est-ce que vous aimez lire? Un peu d'aventure, un peu quand même, un peu d'action, et un peu d'amour quand même de temps en temps. Ah, celui que je préfère, ce sont les nourritures terrestres. Les nourritures terrestres? Oui. Ah, mais ça, c'est un livre. C'est presque mon livre de chevet. Ah, tiens, vous buvez à toutes les sources de la vie comme le conseille Gilles. Oui. Monsieur lit le journal, on ne va pas le déranger. Vous aimez la lecture, monsieur? Oui, beaucoup. En dehors du journal? La Pléiade. Ah, quel est votre auteur préféré dans le Beaucoup, enfin presque tous. Les classiques alors? Oui. Merci.